parents, salut les enfants. Vous connaissez sans doute la série Peppa. Eh bien, elle est en livre maintenant. C'est sorti chez Hachette Jeunesse. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter Peppa à la piscine. Et ouais, c'est bientôt l'été, hein, donc nous, on aime bien la piscine. Et comme on aime bien Peppa aussi, ça tombe pile poil. Donc, Peppa va à la piscine. Alors, bien sûr, on retrouve hein, la maman, le papa. Toute la famille Pig est au grand complet. Ça permet aux enfants, et bien sûr, de... de se familiariser avec l'eau, d'en avoir aussi ceux qui en ont peur, d'en avoir un petit peu moins peur, de comprendre aussi qu'il y a des consignes de sécurité à respecter. Alors, on va parcourir un petit peu, hein, donc voilà, là c'est Georges qui n'est pas trop chaud pour sauter dans la piscine. Et finalement, Maman Pig réussit à le convaincre. Voilà, tout le monde le félicite, c'est formidable. Et puis, évidemment, notre famille Pig-Cochon rencontre la famille des lapins. Alors, tout le monde se salue, super, tu vas bien, etc. Et là, les cochons et les lapins font un véritable club avec leurs petites planches. Donc voilà, là on est vraiment dans l'univers de la piscine avec le côté sécuritaire, des planches, on apprend à battre des pieds, tout et tout. Donc les deux familles s'éclaboussent, tout le monde rigole, c'est merveilleux et on n'a pas peur de l'eau. Ça c'est ce qu'il faut retenir, même s'il y a évidemment toujours des règles de sécurité à respecter. Voilà, là on voit l'enfant lapin et l'enfant cochon avec leurs brassards. Hein, pour dire aussi que c'est important de mettre ses brassards et qu'on s'amuse surtout avec les brassards. Donc, et puis, gros événement, Richard a fait tomber son arrosoir en plastique au fond de la piscine. Oh, voilà, donc il va falloir que Papa Pig, qui est un excellent nageur, ôte ses lunettes et plonge jusqu'au jouet. Attention, va-t-il y arriver? Je ne sais pas si je vais vous dire ça. Hein. Je ne sais pas. Après tout, non. Allez, je ne vous en dis pas plus. Découvrez si le Papa Pig réussit à retrouver le jouet dans la piscine. Hein. C'est ce qu'on appelle un effet d'annonce. Voilà. Peppa, c'est chez Hachette Jeunesse. C'est mignon comme tout. C'est frais, c'est estival et je vous recommande. À bientôt pour d'autres démos.